Farah menti dans l'hérisson Lamotte, yon héros haïtien qui allait trop bonheur. Farah menti dans l'hérisson Lamotte te fait 30 novembre 1970 dans Port-au-Prince. Il était marié avec Junior Lavoisier Lamotte. Il était étudié littérature dans l'école normale supérieure en Haïti. Pendant première année Lio dans enseignement, il était un professeur créole dans collège classique féminin CCF. En 2004, Farah est rentrée dans le programme éducation, certificat d'aptitude à l'enseignement du français, qui était fait dans l'école normale supérieure en partenariat avec l'Université des Antilles et de la Guyane. Elle est sortie lauréat dans le programme ça et elle a gagné un bourse études qui te permet d'aller faire maîtrise li Guadeloupe. Dans la même époque ça, elle était professeur dans l'Université Quisqueya. En tant qu'écrivain, en 1995, Farah a publié Itinéraire Zéro, une collection qui est composée de 36 poèmes qui illustrés avec dessin Georges Castrafis. Un livre que tout le monde était bien recevoir. À travers collection ça, Farah a quitté Macli sous littérature haïtienne, particulièrement dans production femme pendant 20 dernières années. En tant qu'auteur d'un seul livre, Farah Martin t'a à nouveau Ida. À cause de talent li et originalité création poétique li yo. Farah Martin, c'était une femme fort, joviale, vaillant, modeste, qui te gagne une imagination sans limite. Li te élégant, sensible et très perfectionniste. Li te un monde exceptionnel et exigeant. Li te gagne en pile l'amour pour travail li. Li te remè prend en pile initiative. Il était très créatif. Farah toujours prend temps pour écouter tout le monde. Il était quoi bien fait que un bon système d'éducation t'a aidé à développer un pays. C'est ça qui t'a motivé à fonder une école. Rêve ça, t'as pas le concrétiser avec cours privé mixte Saint-Léonard qui t'a inauguré dans l'année 1993. Farah Martin, c'était un patron. Yon directeur qui étudiant li yo te remè en pile. Yon vrai modèle maman, yon femme référence, yon conseiller qui te toujours gagne conseil pour toute situation comme si li te gagne yon manuel corrigé pour tout problème la vie a. Li te préparé tout employé li yo pour yo faire face ak marché travail la et ak défi la vie a. Pendant la vie tout coûte li an, femme haïtien ça qui déterminé t'es encouragé tout le monde qui bon côté pour yo bail plus de eux-mêmes. Grâce à Farah Martin, en pile haïtien t'es apprendre li à écrit créole. À travers travail li comme professeur, li t'es aidé faire promotion de langue créole là. Dans la nuit 15 juin 2020, yo t'es assassiné lâchement en dedans la caillou dans Port-au-Prince. Farah et Marie li Junior Lavoisier Lamotte. Farah te gagné 49 ans. Farah Martin l'hérisson Lamotte qui était trois belles timones. Alissa Grandpierre, Naïma Grandpierre et Laurent Lamotte. Que nomme Farah Martin l'hérisson Lamotte reposez en paix.